Et salut à tous, c'est MultiGaming57, j'espère que vous allez bien, ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour affronter Tour en coupe. Tour en coupe. Et je crois avoir vu que le prochain match je le joue contre Paris. Alors je sais pas si c'est la coupe ou quoi, mais jouer contre Paris, avec l'équipe qui s'est pris de but par le Gazélec d'Ajaccio, me fait très peur. Donc j'espère que j'ai mal vu et que je joue pas contre Paris avec l'équipe qui s'est pris de but par le Gazélec d'Ajaccio. Que la Tour, j'espère au moins que je vais les battre. Gazélec sur un Lille ramené de l'extérieur. Bon, elle avait été mise en échec de partout, mais je pense qu'aujourd'hui elle avait moyen de s'imposer. Ah, au moins un truc Gazélec positif, c'est qu'il dit que j'ai les moyens sur d'imposer. Bon, l'intérieur. je vais perdre. Gomez. Mais je sais Gomez pas ce qui se passe, hein. Je suis pourtant pas mauvais qui sur passe FIFA non devant. plus. Et puis Mais là, Marquinhos je sais pas ce qui s'est passé. qui débute en J'étais, quatrième je sais pas, je, pourtant j'étais bien dans mon match, avec j'étais un bien concentré dans Gomez mon qui match. monte. Bon, j'ai eu la chance d'avoir le Et penalty, Longuel heureusement. avec le Dans, gardien. je parle de la dernière vidéo, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Frappe. Et là, voilà. Heureusement qu'il y a but. Dans le dernier match de la dernière vidéo, j'ai eu la chance d'avoir le penalty. Mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. D'abord pour le match 4-4, je m'explique, j'ai eu un bug, j'ai dû partir et le match a continué alors que j'avais une pause. Et le match après, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais concentré sur mon match pourtant. Bon, j'ai un peu trop parlé peut-être, je sais pas, j'étais plus concentré à un moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont mis deux buts en 5 minutes. À peu près. À peu près deux buts en 5-10 minutes. Le Gazélec d'Ajaccio, l'équipe qui techniquement est dernière ex aequo. Face au deuxième qui lutte pour le titre, qui a besoin de points pour avoir un titre. On lutte pas pour la même chose quand même, donc techniquement j'aurais dû gagner quoi, je suis quand même censé être plus puissant qu'eux, voilà. Et eux, ce match nul c'est comme une victoire techniquement. Donc ils disent pas qu'ils en sont pas contents de ce match nul qui sonne comme une victoire techniquement pour eux. Hein. Parce que faire match nul face au deuxième, voilà, c'est quand même légèrement glorifiant, légèrement gratifiant. Bah, par contre, pour le deuxième, faire match nul contre le 19ème, c'est pas du tout glorifiant. Ça fait même peur. Ça fait même peur dans le mauvais sens plutôt. Ça fait peur au club qui a fait match nul. Et pas aux autres clubs qui se moquent justement du club qui a fait match nul. Donc voilà, on va plus en parler. On va essayer de se mettre dans ce match, gagner au moins la coupe face à Tours. Un match qui normalement devrait être plus simple. Ils sont une équipe de Ligue 2. Je critique pas les équipes de Ligue 2 encore une fois, hein, mais voilà. Match qui techniquement devrait quand même être plus simple parce que là je suis un jeton contre les équipes de Ligue 2. Pour l'instant j'ai eu deux tours, deux équipes de Ligue 2. Il y a deux coupes, deux équipes de Ligue 2, je sais pas si c'est la même coupe là. Je sais pas si c'est la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Là c'est la Coupe de la Ligue je crois. La dernière fois c'était la Coupe de la Ligue aussi, je sais pas, peut-être. C'est la Coupe de France. Techniquement ils alternent quand même dans le jeu. C'est la Coupe de la Ligue, Coupe de France. Pas deux fois Coupe de la Ligue. Ça devait être Coupe de France. Parce que j'ai pas vu Tours dans les derniers matchs. Je les ai pas vus, je crois même. Oh, elle est belle! Elle est belle, franchement. Mais Didion, t'aurais quand même pu faire quelque chose là-dessus. Je pense que Didion aurait quand même pu plonger. Mais elle est belle. Franchement, un beau but. Contre le cours du jeu, quand on voit toutes les actions que j'ai, mais un beau but. Mais je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que toutes les équipes sont plus fortes que moi. Même les équipes de Ligue 2. Je sais pas, est-ce que le jeu s'est mis dans un niveau de difficulté incroyable? Genre un niveau qui n'existe même pas ou c'est juste moi là qui est devenu nul? Et quand tu vois ça, Diallo, généralement je te dis tirer fort et de la mettre lucarne opposée. Non, je sais pas. Ça te dit pas de faire ça peut-être? De tenter peut-être de marquer un but? Je sais pas. Bon, on va dire que j'ai marqué un but à Tours avant d'être éliminé. Hein? Éliminé par Tours, j'aurais marqué un but on va dire. Il y aura au moins un truc de positif. Parce que là, pour l'instant, moi, je prévois pas la victoire quand je me prends un but comme ça. Hein. D'accord qu'il est beau, mais on se prend pas un but comme ça, techniquement, quand on est en Ligue 1 et qu'on est censé être la meilleure défense de Ligue 1. Notamment, surtout que oui, je suis la meilleure défense de Ligue 1, techniquement. Donc je dois pas me prendre deux buts contre le Gazélec. Et je dois pas du tout me prendre deux buts contre Tours. Zéro. Je dois m'en prendre zéro. Et contre le Gazélec, je suis d'accord de m'en prendre un. Mais pas deux pour qu'ils égalisent en 5 minutes. Face à la meilleure défense. Alors qu'ils sont censés être 19ème du classement. Là. Donc voilà. Il se passe quelque chose dans ces derniers épisodes là. Dans le dernier épisode et celui-là. Il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé pendant mon absence, pendant que j'ai laissé le jeu. Mais à mon avis, le niveau de jeu était modifié ou je sais pas quoi. Tu vois que là j'ai failli lui marquer un but. C'est vraiment débarrassé du. Mais voilà. J'ai peur. Même si là c'est moi qui fais tout le jeu, là c'est moi qui fais tout le match pour l'instant. Eux ils ont eu une action un but, donc c'est aussi ça qui me fait peur, c'est que dès qu'ils ont une action ils marquent, ils vont peut-être m'en marquer 4 ou 5 dans le match.
Ouais, ce serait cool, ça voudrait dire que Didio est une grosse merde sur FIFA. Une grosse merde, je sais pas comment, mais ça veut dire que tous mes gardiens sont devenus des grosses merdes et du coup je vais devoir changer, mettre soit Alphonse, soit Oberhauser. C'est bien, j'aime bien mettre Alphonse et Oberhauser, deux gardiens qui sont censés être réservistes ou au moins remplaçants. Non, au moins, non, ils sont censés être remplaçants ou au moins réservistes plutôt. Mais deux gardiens qui sont censés être maximum remplaçants. Donc j'ai 4 gardiens dans mon équipe déjà. Donc je suis bien. L'équipe, voilà. Normalement c'est 3 gardiens max je pense. Ouais, bien dit. Mais là, tout me fait peur. Hein. Ils ont 2 actions. Ma défense, elle me fait peur. Je sais pas ce que j'ai en défense. Mais ça me fait très peur hein, ce que j'ai en défense. Mon problème défensif me pose des problèmes là. Mon problème me pose des problèmes. Là. Mon problème défensif me fait très 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 peur. Hein. Ouais, là, ce problème défensif me fait très 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 peur. Très 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 peur. J'ai dit preur. J'ai pas dit peur, non, non. Peur, ce serait trop simple. Preur, c'est mieux. Comme empereur. Allez, la blague de merde. Ah oui, un beau tir, barbier. Hein. Tu veux que je te vire aussi, donc, pour un tir comme ça? Parce que moi, je pense avoir l'autorisation du président rien que pour un tir comme ça. Quand t'as l'occasion, tu fais pas un tir de merde comme ça, mon gars. Monaco et le gaz qui gagne face à Montpellier, pardon. Ah, finalement, j'ai peut-être que le gaz a exagéré sur mon petit gagne contre Montpellier. Putain, je serais bien. Strasbourg qui perd sans prolongation. Oh putain, tu veux tomber contre Strasbourg pour les déglinguer? Je veux tomber contre Strasbourg pour les déglinguer ou contre Lens? Mais j'ai pas vu Paris par contre, c'est normal. Ou j'ai peut-être mal vu, ou j'ai peut-être vu et je m'en souviens plus. Je sais pas. Là, j'ai fait la connerie de faire la passe, je voulais faire la passe en bas. Parce qu'en plus j'étais bien passé. Vous voyez les conneries quand on stresse? Vous voyez les conneries qu'on fait quand on stresse, hein? Oui. On en fait les conneries quand on stresse comme un malade. Avec le stress, hein, ça. Même j'ai passé le brevet blanc il y a quelques jours, j'ai stressé. Ben, j'attends les résultats maintenant. Hein. J'ai une voix de merde là. Ouais, ma voix qui change. Une voix de merde. Une voix de merde. Une voix de merde. C'est chiant. C'est très chiant. J'adore, c'est très très chiant. Très 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 chiant. Ah oui, j'ai peur. Ah oui, là j'ai peur. Ah oui, là j'ai peur. Merci monsieur d'avoir défendu. Merci monsieur d'avoir fait votre boulot. C'est bien, vous êtes un défenseur, vous avez défendu, bravo. Vous serez payé pour avoir fait votre boulot. C'est bien. Parce que ça devient rare là, sur les 2 derniers matchs, un joueur qui fait son boulot. Enfin! Je le rencontre, Mass Paris, en Ligue 1. Ouais, c'est pas de la coupe, c'est de la Ligue 1, c'est encore pire. Enfin! Ah, au moins on dit que je joue le plus, c'est déjà bien. On dit que je suis l'équipe qui joue le plus. Bon, maintenant on peut leur en mettre 5 ou 6 pour rééquilibrer un petit peu et montrer qui est en Ligue 1 et qui est en Ligue 2, s'il vous plaît. Juste comme ça, leur en mettre 5 ou 6. Ce serait bien, je pense. Hein? Pour peut-être légèrement rééquilibrer les statuts Ligue 1-Ligue 2. Que la Ligue 1 est censée, entre guillemets, être supérieure à la Ligue 2. Et faudrait peut-être faire respecter la hiérarchie, hein. Élimination de tour, ce serait pas mal, quoi. Ils sont en Ligue 2, la Ligue 1 est censée. Censée, je dis bien censée, hein. Je dis bien censée, entre guillemets en plus. La Ligue 1 est censée être plus forte que la Ligue 2. Des fois, ça se voit pas beaucoup. Je pense à Sochaux Monaco, où Monaco a mis 80 minutes pour marquer un but. Ligue 2, alors que Sochaux, voilà, que Monaco. Et l'équipe qui marque entre guillemets le plus de buts en Ligue 1. Pardon. Et vous mettez 80 minutes pour marquer un but à une équipe de Ligue 2 qui vous en a mis 7 pour vous en marquer un. Ah, d'accord. Ok, à la prochaine. Je crois que le respect il est mort. Le respect il est adieu. Adieu le respect. Tu n'existes plus. Tu es mort. Actuellement, le respect est mort. Nous allons l'enterrer, enterrement jeudi midi. Voilà. Donc voilà. Et là, on part sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le jeu. C'est ça qui est bien dans mes vidéos, c'est qu'à chaque fois que je joue à FIFA, je pars sur des sujets du foot, mais qui n'ont rien à voir avec le jeu. Et là, Diallo commence à me faire chier à foirer toutes ses frappes. C'est comme tous mes attaquants qui commencent à me faire chier à tout foirer. Alors que leur action est simple, que même un gamin réussirait à la faire. Leur action est si simple à faire que même un gamin réussirait à la faire. Et eux, ils te foirent ça comme des enfants.
Et là, je dis un gamin réussira à la faire et je dis il foire comme des enfants, donc ça n'a rien à voir. Il foire comme des merdes, voilà. C'est mieux, foirer comme des merdes que foirer comme des enfants alors qu'un gamin est censé pouvoir plus. 49-51, ben, c'est pas très beau d'avoir moins de possession qu'une Ligue 2, quoi. Sans critiquer la Ligue 2 encore une fois, la Ligue 2 c'est bien, la Ligue 2 c'est cool, la Ligue 2 c'est marrant, il y a moins de peu, il y a moins de fric distribué que la Ligue 1. Il y a moins de cons que dans la Ligue 1. Lyon, Paris, hein, on pense à vous en termes de cons. Surtout, cons, personne, je pense à Jean-Michel Aulas à Lyon. Je préfère encore Paris à Lyon, pour vous dire. Donc voilà. Bon, j'aime pas Paris déjà de base, mais je préfère Paris à Lyon. Mais surtout à Jean-Michel Aulas. Donc voilà, hein. Magnifique. Enfin, on va dire enfin, un Barbier. Oui, Barbier a marqué un doublé, c'est très bien. On coupe face à tour, c'est beau de marquer face à la Ligue 2 dans le doublé. Voilà. Une équipe qui a quand même du mal à gagner face à Tours. Tours qui est en plus non plus une des plus grosses équipes de Ligue 2, même s'ils sont forts, voilà. Même s'ils sont bons, sans les critiquer, c'est pas non plus la plus grosse équipe de Ligue 2. Attention contre! Ouais, attaque de folie, mais ils attaquent pas pour l'instant. Hein. Je veux pas dire, mais pour l'instant, leur attaque, elle est pas en folie. Hein. Et Didion, il est là, de toute façon. Allez, Diallo, s'y tire. Et Maouche en a un. Maouche, je sais pas. Maouche ou Maouché? Je pense que c'est Maouche, moi. Tonton Macoute, la révolte des tontons Macoute. Ils ont entendu parler. C'est Abdi Diallo qui tire. C'est très bien. Sur Benoît Soukoto. Benoît Soukoto. Renaud Kouad. Y'a personne. Ah si, si. Y'a Inguette en haut. Mais il n'aura pas le temps d'y aller en fait. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté cette passe pour Inguette. Oh, finalement, hein, est-ce qu'il met une bonne pression là. Tout en fin de match. Ce serait temps de mettre la pression en fin de match quand même. Ouais, bon, non en fait. Non, il n'y a pas de pression là. Me faites pas mentir, je dis que vous mettez une bonne pression et que vous partez bien en contre. Me faites pas mentir, s'il vous plaît, je suis gentil, je ne mens jamais. Je raconte que la vérité, donc ne me faites pas mentir pour la première fois de ma vie. Les Messins, les joueurs du FCMS. Me faites pas mentir, c'est bien, bravo, tu t'es bien fait tacler. Allez, 3-1, c'est bon, victoire. Heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. Ouais, il a gagné contre Tours. Hein. Strasbourg qui a perdu. Oh, c'est dommage. Lens qui a gagné. Je vais tomber contre prochain tour. Paris qui a gagné. Oh, je tombe contre Paris. Je tombe contre le PSG au prochain tour, normalement. Oh, le Gas qui a gagné face à Montpellier. Montpellier. Wow, vous êtes loin, Montpellier. Vous êtes loin. On a perdu face au Gazélec, franchement, non mais. Allez, 265 000, c'est bien. Journaliste se sont rassemblés dans la salle de presse pour vous écouter raconter des conneries. Waouh, c'est trop cool, c'est bien, je suis content. Je suis heureux, très heureux. Très heureux, je suis très heureux de savoir ça. Allez, on joue Paris, c'est parti. Bon, de toute façon, hein, si je gagne, je passe au-dessus. Si je gagne, je remonterai pas très loin. Hein. Pas très aussi, je gagne. Hein. Bon, je sais pas qui gagne, on va dire. Bon, allez, on lui met en autre. Allez, match face à Paris, à Metz. PSG, Metz, à Metz. C'est cool ça. Hein. Du coup, c'est Metz-PSG en fait. Hein. Je viens de me rendre compte que PSG, Metz, à Metz, ça veut rien dire. C'est peut-être Metz-PSG finalement. Excusez-moi. Excuse me. Oh, dommage. Dommage, tu la perdras ta balle. Dommage, tu vas la perdre ta balle. Oh, j'aurais dû mettre Oberhauser, il va faire un arrêt face à Cavani. Non, c'est vrai que Cavani il loupe tout. Ouais, j'ai oublié. Face à Metz, il loupe tout. Il loupe toujours. Non, mais face à Metz, c'est vrai que Cavani il loupe vraiment toujours. Tout et toujours.
Ouais, fallait y aller sur le ballon, c'est vrai qu'il fallait y aller. Hein. Waouh, il y avait vraiment de la difficulté dans cet arrêt. Hein. On a senti que le gardien, il avait peur de le faire cet arrêt. Hein. Waouh, c'est vrai que Yinyen Bakoto était en face de lui. Ouais, super. Hein. Et avant ce match, l'équipe locale est tout simplement la meilleure défense du J'ai championnat. toujours la meilleure défense malgré mes deux buts encaissés Et comme on une sait merde que face à c'est Sochaux. une défensive pour donner confiance au milieu de terrain Eh bah et putain, en c'est pas difficile hein, pour mettre la meilleure défense. Hein. joueur devant. C'est la vie. Ça devrait être la pire défense avec mes deux buts encaissés en 5 Une minutes. efficacité de touche là. Meilleure défense qui arrive même pas à faire un résultat face Ils à sont. Gazélec Ajaccio, lui dire Sochaux. Ils Je crois que sont j'ai dit Sochon, de putain. l'état Au lieu de dire Gazélec d'affrontement. Ajaccio. Désolé à Sochaux, mais là dans le jeu, on n'est pas en Ligue 1. Si Dégagé je ce dis ballon. Sochaux, je ne me souviens plus. Et Je nous suis tellement espérons concentré que je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. 30 l'équipe secondes locale avant, c'est qui super, tellement je suis s'embarrasse. concentré sur le Ajaccio match. qui va sans doute venir. Et il y a Non, c'est pas Bakoto sur le qui gardien qu'il faut s'embarrasse. tirer, Aïn. C'est bien joué, mais c'est pas sur le gardien qu'il faut faire la tête. C'est dans le but, c'est dans le filet. Mais c'est bien tenté, c'est bien tenté. C'est Une cool. touche à la proximité de la surface. Allez, 15e minute, là je domine pour l'instant. Je suis bien en place, tout. Zivac. Zivac. Oh oui, le but de Gauthier-Aide! Le but de Gauthier-Aide! Le FC Metz qui va dans 1-0, c'est largement mérité là. Ismail Assar qui fait la passe à je sais pas qui est de Bakoto qui la remet sur Gauthier-Aide, qui tente le tir et le gardien la dévie, donc ça va être compté pour Kevin Trappelon pour Gauthier-Aide, c'est bien. Donc Gauthier-Aide marque son petit but face à Paris. Face à Kevin Trapp. Il passe à la trappe, on va dire. Allez, salut, à la prochaine. Retrouvez mon livre de blagues dans tous les magasins de France. De France. Dans tous les magasins de France, retrouvez mon livre de blagues, les blagues de merde, volume 3. Parce que j'ai déjà fait deux volumes avant, vu que j'arrête pas de faire des blagues de merde. Les blagues de merde, volume 3 par Multigaming 57. Vous allez voir, ce livre est super. Ce livre est vraiment génial. Et là, Bizevac, t'aurais pu la reprendre. Mais je ne contrôlais pas Bizevac, du coup, ne l'a pas reprise. C'est triste, c'est triste. Tetris. Allez, salut, une nouvelle blague de merde. Putain, je vais mettre un jingle pour les blagues de merde. Jingle blague de merde, s'il vous plaît. Je le fais moi-même ou je le mets en montage? Je sais pas, faudra que je réfléchisse. Je commence à faire des blagues de merde quand même, hein. Parce que vous voyez quand même que voilà. Oula, non, c'est pas vrai, non, j'ai pas fait d'erreur, voilà, il a loupé l'égalisation comme une merde. Oui, de mettre la balle au fond, c'est ça que tu veux dire, de mettre la balle. Au bout d'un moment, il va falloir mettre la balle au fond des filets, c'est ça que tu veux leur dire à Paris. Va falloir expliquer le chemin pour aller dans les filets, hein. C'est pas de ma faute, hein. Moi si j'arrive mieux qu'eux en ce moment. Faut leur expliquer le chemin. Tu lui dis, faut prendre à droite, à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Et puis ensuite, bah tu tires. Et puis bah, faut que t'aies de la chance ensuite un petit peu. Mais surtout, faut que tu cadres déjà de base. Et elle est pas passée loin. J'allais dire, et le but de Nbakoto, mais en fait, non. Ou de Sarr, je sais pas. C'était déjà bien passé, hein. Il a bien dribblé ses adversaires, là. Il y a eu un petit peu de chance de récupérer la balle aussi. La défense de Paris, elle est quand même pourrie dans FIFA. Je ne passe mais. Oh là, mais sans problème. Passe de merde, passe de merde, passe de merde, passe de merde, et voilà, c'est magnifique! Il s'avance vers la surface. C'est un centre. C'est un centre qui n'aboutira pas du tout, parce que ça fait de la merde. Ah, ça va être mon jingle blague de merde, cette chanson de merde. Une chanson de merde pour un jingle blague de merde. Il faut que j'arrête de dire merde dans cette vidéo, parce qu'au bout d'un moment, elle va être censurée pour insulte caca. Insulte de type insulte caca. C'est pas vrai qu'il est bien imposé sur ce centre. C'est bien, Jean-Marc. Je suis content pour toi. Allez, c'est parti là. Bonjour. Je ne fais que passer, je fais la passe, voilà, je ne fais que passer, je fais la passe, tout le monde a compris encore une fois cette blague de merde. Passer, faire la passe, c'est parti! Non, c'est de la merde. C'est de la merde cette passe. Non, c'est de la merde, c'est pas la peine. T'as fait de la merde, avoue-le, t'as fait de la merde. Et là, t'as encore fait de la merde. Elle est passée, elle est contrée, peut-être, non? Que vous avez fait de la merde. Cette passe a été merdique et vous avez fait de la merde, tout simplement.
Voilà, une action encore gâchée parce que vous avez fait de la merde. Si moi je vous demande pas une grosse page, je vous en demande une petite. Allez, vas-y, mets-moi ton petit carton rouge là, vas-y. Allez, je te sors le carton jaune. Va tartiner ta biscotte là. Va tartiner ta biscotte, Jean-Michel. Va tartiner ta biscotte. Et tu reviendras me voir après quand tu l'auras tartinée. On verra ce que t'as mis dessus. T'as mis du beurre ou de la fraise? Vraiment, on met même les deux. Pour mettre de la fraise, on met du beurre avant. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais avant. Quand j'étais petit, je mettais du beurre et ensuite de la fraise. Parce que j'aimais bien la fraise. La confiture de fraise, c'est bon. Ceci était un placement de produit pour la confiture de fraise. Achetez de la confiture de fraise. Les fraises vous en remercieront. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nantes qui vient de passer à Angers. Le LOSC qui vient de passer à Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, j'étais face à Paris. Écoutez, je suis content de ce résultat. Voilà. Je suis content de ce résultat. Il faut que j'arrête de chanter en vidéo. Il faut que j'arrête de chanter en vidéo. En vidéo. Non, 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 Jean, non, 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 Jean-Marc. Non, ce n'est pas là qui. Voilà, bah, c'est bien fait. Fais des passes comme ça, moi, ça m'arrange en fait. C'est bien, Jean-Marc. T'as réussi à m'avoir. T'as réussi à me troller. C'est bien, c'est marrant. T'es content? T'as réussi à troller un joueur de Metz? C'est le Saint Graal ça. Troller un joueur de Metz. C'est le Saint Graal le mec t'es. Ah bah non en fait. Ah je vais faire la passe à droite. Ah bah non je vais faire à gauche. Grosse merde. Non. C'est dommage. C'était nul. Ouh attention là avec ce gros tacle. Il doit peut-être prendre le rouge. Non il fait pas de gros tacle finalement. Et la chanson de merde qui revient. Et la frappe de merde qui passe. En même temps que la chanson de merde. Allez, c'est parti. Ouais, bon, ok, si tu veux, mais non, en fait. Ah oui, on s'approche de la fin du match à la 60e minute, tiens. Et moi, je me suis dit, c'est la 70e à la 80e, mais non, en fait, c'est que la 60e. On s'approche de la fin du match. Oui, c'est la 60e minute, il reste une demi-heure de jeu, il y a qu'un 0, mais on s'approche de la fin, c'est vrai. On s'approche de la victoire de Metz, hein, oui. Encore une demi-heure, alors que Paris a des grosses actions, oui. C'est vrai que le FC Metz arrivera à tenir un 0 pendant une demi-heure, alors que Paris arrête pas d'avoir de grosses actions, et que Didion a fait déjà un sauvetage incroyable, sauf que c'est Kawashima. C'est vrai, il a raison, Hervé. Et moi, je suis plutôt fier de ce résultat de 3-1 pour Paris, qu'ils ont marqué en 5 minutes, 3 buts en 5 minutes, vu que c'est faisable. Prochaine rencontre le 6 janvier face à Bordeaux. Magnifique, c'est très bien. Bordeaux, c'est très beau, c'est une ville de merde. Non, je déconne, j'aime bien Bordeaux. Comparé à Paris et à Lyon, j'adore Bordeaux. Et comparé à Nancy et à Strasbourg aussi, je déteste ces deux villes-là aussi. Bah, c'est pas que je déteste Strasbourg ni Nancy, c'est que je déteste l'équipe de foot de Strasbourg et de Nancy. Et que je déteste aussi la ville de Nancy. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Bordeaux, encore ça va. Mais le PSG et Lyon, ça non. Non, 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 ça c'est de la merde pour moi, c'est de la petite merde. Voilà, c'est de la petite merde, voilà. Avec la petite manipulatrice, là, hein. On va pas dire son nom, hein. Petite manipulatrice qui fait ses petits coups, là, ses petits coins douces, hein. C'est parce que madame monsieur a de l'influence, on lui passe tout. On va pas dire de qui, hein. Mais bon, il est à Lyon. Comprendra qu'il pourra à faire des pétards. Monsieur Jean quelque chose, hein. Jean Mimiche. Il a eu un petit peu d'influence avec ses petits messages, voilà. Ces petits messages, pas à cœur à cœur. Non, c'est pas ça. Ce petit message peut-être violent. Envers le F... presque d'insultes envers le FC Metz pour dire oh le FC Metz a tué notre joueur presque ça hein. On dirait qu'il était mort son joueur hein. Alors qu'en fait il a une ITT 3 jours et il rejoue au bout de 2 jours c'est ce que j'ai lu le mec il a une ITT il est en repos 3 jours hein. Donc il est blessé il s'est pris un pét... il s'est pris deux pétards il est en repos 3 jours au bout de 2 jours il rejoue on m'explique alors ce qui s'est passé il est où il est pas... ils sont passés où les dégâts du pétard vu que le mec a un repos 3 jours et qui rejoue au bout de 2 jours. Alors, les pétards ont l'air d'avoir fait beaucoup de dégâts. C'est vrai qu'il a l'air de souffrir. Hein. Or, Jean, au bout de 2 jours, c'est vrai que tu souffres beaucoup. Je te plains.
Je te plains, monsieur Anthony Lopez. Je te plains très beaucoup. C'est sûr que le stadier qui a perdu deux doigts à Lyon l'année dernière, au bout d'un jour, il revenait au boulot. Hein. Ça, il a pas eu trop mal, il a pas souffert, non. Non, non, je pense pas qu'il a souffert. Je vois pourquoi il aurait souffert. Il a perdu que deux doigts. Mais bon, voilà. Hein. Ça, hein, c'est une polémique que je créerai sur le Twitter français. J'aime bien créer des polémiques, surtout à travers ces Lyon. Et à chaque fois, j'aime bien faire gagner Metz. Polémique qui sera créée par un... Oh là là, non. Par moi. Donc si vous voyez un youtubeur qui crée la polémique, c'est tout ça. Parce que moi, j'ai eu une conversation l'autre jour avec un supporter de Lyon qui s'incrustait parce que j'ai dit que je détestais Lyon et Molas en même temps que l'ancien Strasbourg. Alors le mec, il a débarqué, il a dit « Mais pourquoi tu dis ça? Notre président, il a plus de palmarès que ton club. » Oui, sauf que ton président, c'est un connard qui, en plus, influence les décisions des gens. Donc voilà, on s'en fout de son palmarès. On dit juste que c'est quelqu'un connard. Voilà. Je sens que cette vidéo va être censurée à cause de toutes les insultes que j'ai dit. À cause des merdes, des connards, des... Va te faire foutre, voilà. Allez, salut, à la prochaine. On va finir ce match quand même, parce que là, je suis en train de déborder sur des sujets d'actualité, alors que je joue à un match sur un jeu vidéo. Voilà. Mais bon, je... Voilà, on déborde. On déborde. On va faire la musique de merde. Tout son cœur. Et vu que je chante, je fais que de la merde. C'est de la merde, je fais que de la merde. Et eux aussi, c'est des grosses merdes. La 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 la. Et je fais encore de la merde. Je fais de la merde, je fais de la merde, je fais de la merde, je fais de la merde. Et j'ai très peur avec la merde que je fais de me prendre des buts. Et oui, j'ai très 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 peur de ça. Voilà, on va arrêter ici, hein. Pas la vidéo de chanter. On va arrêter de chanter plutôt ici. Mais la vidéo, on l'arrête pas, c'est pas fini. 1, 2, 3, fini. Merci. Ouf, bah, j'espère que je me dis des 0-0. Je me dis, oula, il y a que des 0-0, mais le match vient de commencer en fait. Oula, pourquoi j'ai plus de match? Stop, j'ai plus de match, j'ai plein de messages. Un jeune souhaite partir en service de perdre 5 joueurs. Ah non, 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 ça c'est des joueurs trop importants. Milan, tu restes. J'ai un budget de combien? Il veut 1 an, très bien, et 15 000. Et eh ben, je te signe 3 ans et je te donne 16 000. Ça te va, Milan? Donc toi, tu restes. Ok. 10%. Tu les rapportes. Ensuite, Philips. Toi, tu veux 2 ans et 2850. Bah, je te donne 3 ans et 3500. 10%. Titulaire important. Ensuite, qui c'est qui manque? Jeanne Jouf, Milan Bizevac et Guido Milan. Guido Milan. Non, c'est fait. Philippe, c'est fait. Bizevac. Il veut 1 an et 20 000. Bah, je te donne 3 ans et 25 000 si tu veux. Je te donne 3 ans et 22 000, ça te va? Non, allez, 25. Non, 23. Il est important. Le Sean. 3 ans et 18 000. Non, 3 ans et 15 000 finalement, parce que j'ai encore trop... voilà. Donc t'auras vraiment tes 15 000. Et titulaire important, parce que t'es pas un joueur de rotation d'effectif. Alors, j'en ai 4. Milan, c'est fait. Bizevac, c'est fait. Le Jeune, c'est fait. Philippe, c'est fait. Et du coup, il y a Jouffre. Il reste le petit Jouffre. Il est où, Jouffre? Lui, il veut 1 an et 25 000. Ah! Il me coûte cher, il me coûte cher. Il me coûte cher, les enfants, il me coûte cher. Ah, tu serais titulaire indiscutable, si tu veux. Alors, suspendu, en plus. Kevin Lejeune, je crois, non? Kevin Lejeune... Ah bah, il s'est pris trop de cartons, c'est ça. Je verrai, mais je crois qu'il s'est pris trop de cartons, c'est pour ça. Philips. Et le jeune, tu dégages, je te remplace par Coad, voilà. C'est pourquoi qu'il s'est fait suspendre? Vous savez qu'il y a une jeune en raison d'un trop grand nombre de cartons jeunes, il pourra pas... Voilà, c'est ça. Je ne souhaite partir. Il veut bien le bien, c'est un bon Fabien Albert.
C'est un très très beau prénom, monsieur, dis donc, Fabien Albert. Fabien Albert. Fabien Albert, quand même. Alors, bureau, non, transfert, contrat. Non, c'est pas ça. Je suis con. C'est merde. Bureau, budget. J'ai qu'un million, c'est pas possible. J'aurais 600 000, hein. Je m'en fous. Moi, je vais donner des budgets salaires. J'ai pas les sous qu'ils me donnent en fait, j'y reçois jamais. C'est pas possible. Bon, bah, je suis à 4 points de Nice, c'est parfait ça. Du coup, là, je peux toujours. Je suis toujours dans la course au titre, c'est ça qui est bien. Bon, on va continuer, mais je crois qu'on a fait les deux matchs de la vidéo. Ah, je viens de partir. Ah oui, c'était ça, Fabien Albert et Pascal Guérin. Ok, Fabien Albert, oui, c'était les jeunes, j'avais oublié de faire les jeunes. Fabien Albert et Pascal Guérin, Fabien Albert et Pascal Guérin, Fabien Albert et Pascal Guérin. Staff jeune, c'est ça, centre de formation. Fabien Albert, Fabien Albert, ouais, bon, je peux te signer un petit contrat. 2 ans et 500, 5% lors de rotation d'effectifs. Et Pascal Guérin, je peux te proposer un contrat. Tu veux 2 ans et 500, ben je te propose 3 ans et 500, 5% lors de rotation d'effectifs, ça te va? Ok, c'est bon. Alors pourquoi je joue plus de matchs en fait? Expliquez-moi un petit peu. Encore? Jonathan Lecomte. Eh ben, il va compter alors. Jonathan Lecomte. Jonathan Lecomte. Là, on est en train de déborder, on fait plus de matchs. Jonathan Lecomte. Il est là. Pas 3 ans, 500, 5% joueur de rotation d'effectif. Finalement, voilà. Ensuite. Je promets un rang trop important. Donc, Philips. Philips. Philips, Philips. 3 ans. Propose 5 000, était titulaire en devenir. Moi je te propose titulaire en devenir, ça te va? 10% titulaire en devenir. Jouffre, il accepte, c'est pas de problème. Ensuite, j'ai beaucoup de messages là. Oula! C'était quand ça? Du 30-12. Ah non, Philippe, c'est bon, il est toujours là, mais. Bizevac a accepté, lui il a accepté, Guérin a accepté, lui il a accepté, info hein, important sur le marché des transferts, Milan il a accepté, rapport mensuel sur le match, j'ai calé, ok, Lyon, contrat accepté, proposition de transfert. Ismaïla Sarr, ah non, 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 en plus il me propose hein, 2 millions, pardon monsieur, non, rejeté offre. 2 700 000, mais je m'en fous, on propose ce que tu veux, je veux pas. C'est Sarr, il est trop important dans mon club encore. Mais offre de transfert. Ah, Yiji Kawashima Endy Baikoto là. Non, 850 000. Non, mais oh. Qu'est-ce que tu crois, toi? Non, mais oh, Jean-Marc. Qu'est-ce que t'as cru? Endy Baikoto. 11 500 000. Oh putain. Samuel, non. Non, non, c'est un joueur du club, ça. Non, il reste à baisse. Je suis désolé, mais je peux pas accepter une offre pour Endy Baikoto. Non, non, ce n'est pas possible. Alors, transfert. Ben, le problème, c'est que j'ai plus de budget. Je n'ai plus de budget. Je n'ai plus de budget. Je n'ai plus de budget. Toi, tu. Je suppose que tu es cher. Tu es très cher. S'informer. Adama Traoré, il joue à Monaco. Ouais, on peut toujours s'informer. Popopom. Est-ce qu'il y en a que je connais là-dedans? Qu'est-ce qu'il a lui? Bon, il est pas très bon. Oh, c'est bof, hein. Ensuite, Daniel. Ah non, c'est quoi ça, un attaquant? Ok, ouais, pas là encore, ça va. S'informer. Alors, ensuite, Laurent. Bon, on va déjà prendre les 3 joueurs sur lesquels je me suis informé là. Avant le match contre Bordeaux, j'espère recevoir un message. Le retour du blessé, Chris Phillips qui accepte notre intérêt. 1 700 000. J'ai combien un Bobby? Bah j'ai rien. Ah bah j'ai rien, bah Bobo Hubo. Oh bah j'ai plus rien moi. Ce serait bien.
Philippe Filipovitch de Joinville. Philippe Filipovitch. Attention, Philippe Filipovitch. Philippe Filipovitch. Philippe. Merde, j'écris trop. Philippe. Filipovitch de Joinville. Il a 18 ans. Ok, ouais, bon, on va s'informer. Joinville, hein. Attention, monsieur Filipovitch, c'est un futur gros, c'est un futur gros, c'est un futur gros, c'est magnifique. Du coup, 9 millions, et eux, 9 millions, bah c'est parfait, 9 millions, j'ai quoi? Moins 8 millions à peu près avec ça. Oui, bah je pense que oui, le CA va me dire tout de suite, oui. Encore. 2 millions, 15 millions. Non, mais. Mais oh putain, 2 millions pour Ismaël Sarr. Oh là là. Mais je rejette à 9 à 900 000. Mais non, je les aime trop ces joueurs. Je veux pas. 3 600 000 de Montpellier. Bah surtout à Montpellier. Tu crois que je vais les laisser partir en France, toi? Non, mais. T'es fou, toi? T'es fou. Bon, est-ce qu'on a d'autres trucs? Les petits transferts. Du coup, lui, il a 9 millions. Alors, eux, c'est étudié. Qu'est-ce qu'on a là? Caligari. Tiens, il est à Paris et il joue jamais. Alors ensuite. Ah, lui, j'en avais entendu parler que Metz le voulait. Donc si Metz le veut, IRL, c'est qu'il est peut-être pas mauvais. Julien Fabry, il y a ce connu. Harry Cornu. C'est marrant. Alors, Aminarit, trop cher. Ah, mais tu crois que je vais prendre. Eh, oh, tu me vois, moi? Prendre un joueur de Nancy? Non mais oh. Ah, ça c'est des petits joueurs de petites équipes là de Ligue 2. Alors, ça c'est des joueurs des. Patrick Olsen est connu. Ongainé. Ok, bon de toute façon pour l'instant j'ai pas assez de sous. Ça va être simple. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle fait quand même déjà 37 minutes. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et surtout, abonnez-vous. Allez, salut!